Bon, bah, c'est parti, on va faire la brocante dans Paris. Je suis accompagné de... Des Minute Games. Et de ses mains. On va voir si on va mettre plein de choses dans nos mains et récupérer plein de jeux. À tout de suite. Go! Ah, elle pareil, ça. Deux filles. Ouais. Elle a deux. Et trois. Non, idiot. Monster Lab. On va bien trouver. Ah oui. PS Vita. C'est rare. Mais à passion. Tetris, parti. Sandman. Twister, non, je connais pas. Ça doit être un Tetris-like. Lava Fring. Harry Potter. Il fait combien les jeux? Ah oui. Pour les gaming. Demo. Need for Speed Carbo. Most Wanted. On va regarder dans les boîtes quand même au cas où. Je sais jamais. Ah bah tiens, regarde. Oh ouais, il est là. C'est pas le même, qui est vide. Attends. Ça va, 1, 2, 3. Ah, c'est le même. Merde, c'est le même. C'est le même qu'hier. Regarde, monsieur, parce que j'ai pas vérifié. Ouais. Est-ce que j'ai vu des choses? Parce que j'ai pas vérifié. Ah, ouais. J'ai pas vérifié, je sais pas si il y a... C'est pas grave. C'est bon? Ouais, super, merci. Des copies, mais ça marche. Il y a tout. Ah, ouais, les copies, ouais. Ça marche. Mais elle fonctionne, hein. C'est les mêmes jeux qu'il y a. Ouais. Ouais. Celle-là, c'est une copie aussi. Ouais. Ah, oui, c'est vrai. Ah, ouais, pour les lourds, quoi. C'est sûr, franchement, il y a des gens qui sont célébrés. Ouais. Mais les copies. Vous pouvez dire combien, les copies? Et je compte 2 euros. Par contre, il y a une tête, celle-là, elle est refaite. Ouais, il n'y avait plus d'images. Ah oui, j'ai fait une photocopie. Voilà. Mais ça, c'est des vrais. Les fausses. Mais c'est les mêmes jeux qu'il y a dedans. Je les ai essayés. J'ai essayé les copies, j'ai pas essayé. Alors, en fait, il y a dedans, mais moi, j'ai une lampe et elle est encore là. Ah, ça, c'est pour toi, Natacha, regarde. Il y a Inès là aussi, pareil. C'est combien, Inès? C'est combien? 80. Ah, il coupait, oui, il y a les câbles en dessous. Et, voilà. 80 euros. Attache. Une... T'as fait une bonne affaire. Ouais, t'as fait une bonne affaire, ouais. Il a déjà fait combien celle-là? D'accord. Ok. C'est une fausse, mais non, c'est vrai. Il est mieux rotation. Hein. C'est cool, évidemment qu'il est propre. Alien Olympique. Tu fais combien les jeux Game Boy? Bonjour, excusez-moi. Ah ok. Je réfléchis en fait. Super, merci. Il
Most Wanted. On va regarder dans les bottes quand même au cas où. Je sais jamais. Ah bah tiens, regarde. Ah ouais, il est là. C'est pas le même, il est vide. Attends. Attends, 1, 2, 3. Ah, c'est le même. Merde, c'est le même. C'est le même qu'hier. Regarde aussi, parce que j'ai pas vérifié. Ouais. Est-ce que j'ai vu que c'est... Parce que j'ai pas... Ah ouais. J'ai pas vérifié. C'est pas grave. Bon bah c'est parti pour le Vitani, je suis accompagné de Luminate Game et de ses mains. Donc, du coup on a fait plein de figurines, plein de petits trucs. Les endroits, je vous le dirai pas, ça reste un mystère. Donc qu'est-ce que j'ai récupéré dans ces trucs mystères? Bon déjà on commence par voilà des canettes Rockstar. Donc c'était 1€ les deux, il y en a deux. Il y en a une là et une deuxième là. Donc 1€ les deux, franchement c'est une bonne affaire. Ça c'était le petit instant. Voilà ça maintenant. Ça rentre dans la collection. Ça rentre dans le full set. Full set Rockstar, regardez-moi ça, c'est pas beau. Ah, c'est Energy Drink. Ah, il va pas nous faire chier ici, non. Toi qui allez nous faire chier ici. Donc, qu'est-ce que j'ai récupéré? Bon, bah alors j'ai récupéré pour 15€ un lot de. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, sans filmer mes lunettes. Voilà, de 13 tomes de manga, vous voyez, qui manque le 3 ici. Et ça va de 1 à 14, et il manque le 3, donc là, du coup, il y en a 13. C'est des Yo-Kai Watch, je pense que tout le monde connaît. J'ai payé ça 15€. J'ai un peu nul ça, mais bon, ça vaut le coup. On va passer au suivant. Pour 2€, je récupère le Dev James Rapstar. Donc, je ne connais pas du tout. Il est complet. Super bon état, c'était hein. Franchement nickel. Hein. C'est le Bless 980. Ah non, c'est à l'envers. Non, c'est ça. C'est 983. Il y a toutes les musiques. Hein. Kenny West, la Fouine. Ah, il y a même la Fouine. Dis donc, la Fouine. Avec. Citizen, Dr. Dre, Alex Gaming, Mimi Nine Game aussi, elle est dedans. Elle a sorti une chanson pour les brocantes. Là, deuxième jeu, c'était dans le lot. C'est un jeu pas commun. En plus, il cote un petit peu, on a regardé hein, sur internet. Ça cote un petit peu. Ah, il est lourd, putain, je n'ai pas remarqué qu'il était si lourd que ça. C'est le Blitz The League 2. Donc, ça veut dire qu'il y en a un. La notice est un peu abîmée. Donc, c'est pareil, j'ai payé 2€. Donc, ça m'a fait 4€ les deux, donc 2€ l'unité. Hein. Donc c'est le Blitz The League, il est en français, c'est numéro, je regarde, il n'y a pas le numéro, 397. Et bien sûr c'est en français, apparemment on peut faire des takedowns, on voit le squelette des gens. Ce qui est un peu bizarre pour un jeu de rugby. Hein. Voilà, ça c'était pour les jeux, maintenant on va passer à un petit truc, quand j'ai payé ça à 20 centimes, c'est Luminate Game qui m'a avancé l'argent, je lui ai rendu. Pour 20 centimes, j'ai juste rentré la boîte du Gamecube, du Freeloader Gamecube. Moi je l'ai pris surtout pour la boîte, parce que franchement on est en super bon état. Plus un coup de nettoyage après à faire. Vous voyez c'est juste pour les un action replay quoi. Bon, j'ai payé ça 20 centimes. Et après j'ai récupéré, voilà, une encore, une. Oui oui, une oui oui comme dirait Alex, oui oui. Oui oui. Et en plus là il y avait carte SD qui était intérieur, j'ai vu les passer, parce que ça foutait intérieur. Donc il y a un CD intérieur, bon je vous laisserai la surprise. Vous voyez c'est ce que c'est. Je vous laisserai la surprise en vidéo short. Donc vous verrez la Miminette, elle a récupéré quelque chose aussi similaire à celle-là, vous verrez. Je dévoile pas sa vidéo, mais vous verrez. Donc bon, elle est bien dégueulasse. Hein. C'est une EUR, donc une Euro, c'est une modèle 1, bien sûr, avec la rétrocompatibilité GameCube. Donc là, il est cassé ici, il y a un morceau. Ça, c'est les ports pour les cartes mémoire GameCube, et ça, c'est pour les manettes. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc bon, plutôt bon état. En plus, il y a même les câbles. Sauf que moi j'ai récupéré l'alimentation classique hein, de la Wii. Hop, ça va être le bordel. Et j'ai récupéré la sensor bar, oui ça. Et j'avais pas récupéré la palette, oh là, elle est nettoyée. Hein. Ça va bien nettoyer parce qu'il y a du scotch. Ils ont dû scotcher ça sur une télé ou je sais pas quoi. Il y a scotché à l'envers apparemment. Parce que s'ils ont scotché là, le truc il était à l'envers, sensor bar. En vrai, je fais pareil. Hein. Ah bon? Parce que ça colle jamais ici. Oui, mais il y a des. J'enlève le truc. Ah oui, t'enlèves? Ça tombe. Ah bah. L'écran il est fin. Ah oui, donc du coup j'ai payé ça 15€ la Wii. Il n'y avait pas de manette, il y avait juste. 4€ la Wii. Non, 4€. 4€ la Wii, 4€ oui, 4€ oui, ça. 4€ la Wii. Et on va passer au jeu Game Boy. J'ai récupéré dans mon endroit secret que je ne dirai pas. Hein. On ne dira jamais hein, maintenant. C'est fini pour pas avoir les ratisseurs. Je récupère le hop, Harry Potter and the
Philosopher Stone, la pierre philosophale, je crois. Je crois que c'est ça. Donc, bon état. Donc, celui-là, c'était du coup 4,50€. Voilà, 4,50€. Et avec ça, il y avait celui-là, le Harry. Non, c'était pas celui-là, c'était celui-là. Avec celui-là, il y avait le Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Donc, le prisonnier d'Azkaban. Donc, 4,50€ celui-là. Donc, là, ça fait 9€ les deux. 9€ les deux cartouches Harry Potter. Et le dernier cartouche, la dernière cartouche, c'est le Harry Potter. Et voilà, j'ai full set quasiment presque Harry Potter en une journée. C'est Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc, version Game Boy Advance. C'est celui-là, j'ai payé 3€. Et le dernier jeu que j'ai récupéré, c'est le Myst Maker Super Card GP. Mon minute game au début était intéressé pour me la laisser parce que le CD, c'est vrai qu'il était rayé. En plus, le truc, il était à l'envers. Voilà. Du coup, je l'ai payé 2€ ce petit jeu PS2. Je pense que quand ça s'appelle Alex Gaming va être jaloux parce qu'il ne doit pas l'avoir celui-là. Je ne l'ai pas vu dans son full set PS2. Donc, c'est le numéro 52159. Donc voilà, c'est tout, voilà, regardez tout ce que j'ai récupéré, hop, vous voyez, il y a une partie là, en brocante ici, là, on est là, en plus je peux vous le dire, on est à cause de la scène, et le reste c'est dans mon endroit secret que je ne dirai pas par contre, pour des raisons de, que je ne veux pas les ratisser là-bas. Donc voilà, tout ça. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire, et surtout, abonnez-vous, ciao. Ciao.